Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là à l'aéroport d'Ndjili avec le pasteur Arthur Moussaka, le pasteur José Mambélé, le pasteur Achetelou Sanga et un bien-aimé avec qui nous allons à l'Isala. Le frère Charingama. Oui. Ok, c'est avec lui que nous partons. Comme vous pouvez le constater et le voir ici, nous sommes déjà dans la salle d'attente. Nous attendons que l'on puisse nous appeler pour que nous puissions partir. L'avion, je crois, est déjà là. Ok, voilà, nous allons continuer le reportage dès que nous sommes. Alors, bien-aimés, nous sommes là, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes déjà à bord de ce Fokker. Je crois que c'est le Fokker 27, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Donc, c'est un Fokker russe. En partance pour l'Isala, nous avons 2h20 de vol. Là, nous venons de voler pendant 2h20. Dans 10 minutes, nous serons au sol. L'avion a déjà avancé son atterrissage. Donc, maintenant, voilà, nous avons amorcé la descente. Vous pouvez même déjà voir la forêt au travers des hublots et notre hélice qui est en train de tourner. Voilà. Là, il y a déjà les rivières. Le fleuve. Le fleuve. La grande forêt équatoriale. Voilà.
Ok. Pasteur Arthur, bon voyage. La balise ici, ce sont des lampes torches pour que nous puissions accoster. Et cette nuit, voilà les balises. Voilà. Nous avons trouvé les gens qui nous attendent. Il est 18h20. Il fait noir. On est en train de chanter à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et nous étions en plein fleuve au milieu de nulle part il y a 17 minutes quand un moteur s'est carrément arrêté. Mais la grâce de Dieu a fait que cela a été réparé et nous voici arrivés dans la jungle, en pleine forêt équatoriale, où nous sommes attendus. Voilà. Nous sommes bel et bien arrivés. Nous sommes là, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de louer le Dieu d'Israël. C'est le matin, il est 6h30. Nous sommes en train de voyager avec environ 10 motos. Et là, ce sont des ballots, des habits usagés que le pasteur Arthur amène au Pygmée. Il y a des motos qui sont déjà parties. Donc, on est là, prêt pour la révolution, prêt pour le départ, pour que nous puissions révolutionner la vie ces indigènes qui sont en pleine jungle, en pleine forêt équatoriale, et leur apporter l'évangile de paix, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le message du temps de la fin. Donc nous sommes là, prêts pour pouvoir voyager. Oui. Et là, c'est le pasteur Arthur qui mange comme au village. Ici, c'est comme ça que nous vivons. Donc il est là, il a oublié la civilisation, il est venu dans la jungle et c'est ça la stratégie de la survie. En dehors de ça, il ne peut pas survivre ici, voilà, avec tous ses cadeaux.
sommes tous sur des motos en partance vers Yaimbo, hein, dans la forêt profonde, forêt équatoriale, dans ces jungles d'Afrique. Voilà. Entrer dans ce petit coin au cœur de la forêt équatoriale de la jungle d'Afrique, et je me souviens lors de notre première entrée dans ce petit campement de Yaimbo. D'ailleurs, l'eau que vous voyez ici, cette petite rivière ici, c'est la rivière Yaimbo qui porte, qui dedans on a donné le nom de ce petit campement Yaimbo, qui est parti partout dans le monde entier et tout, à cause de la croyance, de la foi des peuples autochtones, pour la première fois ici en Afrique. Et je me souviens, lors de notre première entrée, c'était par ici que nous sortions. On faisait les pieds depuis Yakata, 19 km, nous arrivons dans le village de Yayolo. Et à partir de Yayolo, nous prenions ce sentier ici qui sort juste là où se trouve ce petit palmier. Et on traversait cette rivière par ce petit chemin ici, ce petit sentier ici, pour aller à Yaimbo. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Je peux même vous montrer les premières images que le frère Arsène Mombenga avait prises. C'était seulement de cette pose, seulement par les anciennes caméras en pellicule. En pellicule. Oui, la voix de Dieu. Zénith est professionnel, en pellicule. Nous avons demandé à la voix de Dieu de nous renvoyer ces premières images. Nous en avons maintenant avec nous. Et nous traversions cette rivière ici pour rencontrer ce peuple ici qui est derrière nous. Le peuple autochtone, le peuple pygmé, comme on le dit. Et c'était là l'accomplissement de la prophétie de Frère Branham, qui disait que ce message entrera jusque dans les jungles d'Afrique et les peuples autochtones. En anglais, c'est quoi le terme que Frère Branham a utilisé en anglais. Indigenous people. Ils vont recevoir ce message, ça va les suivre jusque là-bas dans les jungles d'Afrique. Les premiers citoyens, comme on les appelle au Congo, parce que ce sont les premiers citoyens du Congo, et dans le terme général, on les appelle pygmées, comme ils sont partout disséminés dans une bonne partie de l'Afrique, même dans les forêts de l'Amazonie. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une réalité. Il y a une église là-bas que vous aviez vue, où ils adorent leur Dieu. Ils sortent de leur forêt ici parce qu'ils sont... Maman et mon nounaoyo, après ça, on m'a et pas un aïe ou tout cala. La éliquette me colomba à mon aïe. La bande de l'opambo la yé. Ticket de mon nounan aïe bosse à la nasse et pendant tout colongon. Malade ignorance, ma zéro n'y a qu'on joue tout la yé. La dalle ou tel mélango, te ko benganango n'en joue tout la yé. Bino me dit mon malade. Vous avez un peu de temps.
La bonne de Dieu, la combo de Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, nous sommes bien à Yeyimbo. Yeyimbo, c'est au milieu de nulle part. C'est dans la jungle d'Afrique, au milieu de la forêt équatoriale, là où vivent les pygmées. Les gens qui ne connaissent rien de la civilisation, ils vivent comme à l'époque contemporaine. Ils sont là et le pasteur Mandi les avait découverts. Il les a aidés, il essaie de les faire émanciper, les faire participer à la vie civilisée. Et petit à petit, jusqu'à ce que vous aviez vu l'école que je vous ai montrée là-bas, que le pasteur Manza avait initiée pour eux, et il leur manquait un centre de santé. Et le pasteur Arthur a senti dans son cœur que la fondation Amos, que vous voyez déjà ici, tout le monde est habillé en fondation Amos, dans la jungle de l'Afrique, dans la forêt équatoriale. Il va leur offrir un centre de santé pour le compte de la fondation Amos, afin qu'ils se fassent soigner, afin qu'ils aient quand même une vie décente. C'est pourquoi vous avez là les premières images de notre arrivée ici à Yeyimbo. Nous avons fait une heure de route sur des motos. Et avant d'arriver, le pasteur Arthur avait pensé leur offrir quelques cadeaux. Il a acheté des ballots d'habits qu'il a amenés ici pour leur permettre de couvrir leur nudité et de vivre comme il faut. Et nous croyons que ce n'est juste qu'un début. Et à la longue, le pasteur Arthur et le pasteur Mandé, ils vont travailler la main dans la main pour que il puisse aider ce peuple à se développer, à s'intégrer dans la vie comme nous tous ici. Alors là, c'est juste un début. Nous attendons l'arrivée des pygmées. Dans quelques instants, ils seront là. Et certainement que le pasteur Arthur aura un mot à leur dire. Et c'est le pasteur Mandé qui va l'introduire. Donc nous sommes là à Yeyimbo. On a passé la nuit dans le territoire de Bongandanga, dans la ville qu'on appelle Yakata, parce qu'on était arrivé à 18h, on a passé un temps là-bas et maintenant nous sommes arrivés à notre destination. Comme je le dis toujours, le meilleur est à venir. Le grand pasteur Arthur Moussaka est à Paris, la France. À Zalina Linoba, il y a Colombie la Vino. Le grand pasteur Arthur est tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Tu as des amis à Pambo la Pona Koleka. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Nazana et Sengo, bonjour ma Awa, na bine le monde. J'étais quelque part en Amérique. Nazama Kessika Moko na Amérique. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de venir ici. Donc si je suis venu ici, c'est parce que Dieu a vu que vous avez de la valeur. Je ne déplace pas ses enfants pour rien. Moi, je suis à Tambou Sakabana Naye, Zanga na Lidion Bate. C'est parce que vous avez de la valeur que Dieu m'a déplacé. Moi, je suis venu à Bozali Batouya Motouya, Yangwana Zambia Tambou Singaï. J'ai trois églises en Europe. Nazana Mayanga na Masambo Misato na Boutou et tout
tous les jeunes gens de l'église, de mes trois églises. Pebilenge, Mibali, Yaba Masambo Ananyo Somisa Tobaso. Les jeunes filles, les jeunes garçons, tout. Bandeko Mibali, Pe Bandeko Basi. Ils avaient décidé de jeûner et de prier pour vous. Ah, Kwaki Mokano, Yako Kilabilei, Bonabino. Babon de la Camille pour la vino. Alors, pour conclure, je voudrais vous donner un grand shalom. Shalom veut dire que la paix soit avec vous. Shalom. Pendant la deuxième guerre mondiale, Natango ya bitumba ya moneno ya mibale, les Juifs étaient persécutés en Allemagne, en Italie, un peu partout. Bayuda, bazwa ki mignon kona Italie pe bongo na bisika. On les tuait seulement parce qu'ils étaient Juifs. Baboma ki bango kaka pote bazala ki Bayuda. Mais ils faisaient une chose. Quand deux Juifs se rencontraient, ils se saluaient, disaient shalom. L'année prochaine à Jérusalem. Voilà, ça c'est le singe, c'est le cousin. Ça c'est le cousin. Voilà. C'est le cousin de Fernandi. Non, c'est notre cousin. C'est notre cousin. Et voilà, on est en train de préparer pour que nous puissions manger. Voilà. C'est ça la maison ici. Voilà. Et ça, c'est ancien manzé. Ozani, tabernacle de Yeimbo. Voilà, c'est ça le tabernacle de Yeimbo. Avant, ils priaient comme ça, hein, et puis petit à petit, ils ont maintenant construit, hein, ils continuent à construire leur tabernacle. Voilà. C'est ça le tabernacle de Yeimbo chez les Pygmées. Voilà. Ils ont accepté l'évangile du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est. Les bancs sont là. Voilà les bancs où ils se mettent. Voilà. Et c'est là que le pasteur Arthur va crier Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Mmh.
Mais quand on a molaï, na bango 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 bango. Bonjour. Je m'appelle Bongo Kongo, je suis maintenant un élève de la 6e année primaire. Mon maître s'appelle M. Jean Boudel. Je vous présente une meilleure récitation et un soutien. Arc-en-ciel. Français, récitation. Arc-en-ciel. Oh, arc-en-ciel. Toi qui brilles là aussi. Par-dessus la forêt si grande, au milieu des nuages noirs, partageant le ciel sombre comme elle qui a renversé sur toi. Vergueule dans la lutte, le tonnerre qui grondait si fort et lutté. Était-il fâché contre nous? Au milieu des nuages noirs, partageant le ciel sombre comme elle qui traque le fruit au lit. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Et il a pris la fuite, le tonnerre toi des hommes, comme la clope devant la bataille. Et il a pris la fuite, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Arc-en-ciel, du chasseur de l'eau, du chasseur qui poursuit le troupeau des noirs, comme un troupeau d'éléphants effrayés. Arc-en-ciel, dis-lui notre merci, dis-lui ne sois pas fâché, dis-lui ne sois pas irrité, dis-lui ne nous dis pas. Car nous avons très peur, arc-en-ciel, dis-lui ciao. Ciao. À la prochaine, les mères. Donc j'ai quitté l'Europe juste pour venir juste ici. Et Dieu m'a mis à cœur de faire un centre de santé ici. Donc je veux construire un centre de santé. Avec le chef de groupement. Nous sommes accordés pour avoir un espace. Et ils vont nous donner un espace. Et je vais construire ce centre de santé en 2 mois ou maximum 3 mois. La cosa la centre de santé soit que vous m'avez mis sans amis balet ou sans amis sat. Et vous aurez un bel endroit. Vous aussi qu'à Kitoko avec tous les médicaments. Na bakisinyo sonakati pour vous soigner. Pour la cosa les sabino. Et vous soigner gratuitement. Pe ma cosa les sabino ya pamba. Comme Dieu ne travaille pas avec un seul homme. Comme Dieu ne travaille pas avec un seul homme. Dieu m'a mis sur le chemin du médecin ici. Et le médecin, c'est lui qui va chapeauter les choses pour vous soigner.
Monganga yo yende mutakozala mokonzi ya kota makambo nyonso etali lisa isinabino. Je répète gratuitement. Na zongeli lisusu ezali lisa lisi ya pamba. Ya opele. Si le médecin vous demande de l'argent, soko monganga tuni yombongo, contactez-moi. Bobi angangai. Alors moi je le verrai avec lui. Bongongai na kokuta na yeye. Je répète encore gratuitement. C'est mon pasteur. Oh yazali pasteur. Quand j'arrive ici, c'est lui mon pasteur. Jamunyo sura koko makawa yende mobateli na ngai. On est en train de faire un partenariat. Tozali kosala boyoka ni moko entre la fondation Amos. Kati na boyo na fondation Amos. Et sa fondation. Les fondations ODCS. ODCS. Oui. Donc, et ce sera plus facile à partir de là pour qu'on puisse vous aider. J'ai ma fondation qui est à Kasangulu. Ma fondation est Zouami à Kasangulu. Où j'ai construit. J'ai construit un hôpital, un grand hôpital. Moi, papa, il a tourné l'hôpital et à Mounene. Je vais aller l'inaugurer le 11. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Mais entre temps, je pense que le docteur aujourd'hui va faire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je supposais appeler les malades qui ont des gras cas, les cas tels que les cas chirurgicaux, peuvent s'apprêter déjà à identifier les cas, okay, même aux besoins. Il faut traduire. Bon, on a Solina Monganga, Monganga Lobiboué, Ako Simawa, Ako Bianga Bato, Bako Kikozala, Namakono, Oedo Senge, Paso, Akuta, Landengeni, Ako Kikasa. Voilà, maintenant, c'est le départ vers Kisangani, vers Mbandaka plutôt. C'est l'avion qui va nous prendre, Air Kasai. Celui-là, c'est l'avion qui nous avait amené. Et ici, c'est l'avion qui part avec nous à Mbandaka. Il y a plus de 14 pasteurs qui vont nous accompagner à Mbandaka pour des réunions. Et nous bénissons le saint nom de l'Éternel. Voilà. Ici, toutes ces personnes voyagent avec nous. Nous allons à Mbandaka. Voilà. Bien que le Seigneur vous bénisse. C'est une grande joie pour moi d'être ici. Je voulais juste voir comment ça se passe, une campagne d'évangélisation ici en Afrique. Parce que je viens de la France. Je suis originaire d'ici. Mon nom c'est Moussaka, Arthur Moussaka Yanga. Mon papa est de Bolenga. Papa nanga azali moto ya Bolenga. Et ma maman de Basankusu. Maman nangaï azali moto ya Basankusu. Donc je suis chez moi. Je suis resté trop longtemps en Europe, c'est pour ça. 40 ans, c'est beaucoup. Et 40 ans.
Mais je voulais juste vous saluer, juste vous saluer. Les gars, on a fait ça, mais le mot est... une écriture, je voudrais juste lire une écriture. Les gars, on a fait ça, mais le mot est... c'est la salutation de Gabriel à Marie. Et Zaline, mot est... Angelou Gabriel et Père Amalia. Dans Luc chapitre 1er, le verset 26 à 27. Nabuku ya Luca, mon capoalibosan, la gotang, la toupmi balen, na minei. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange entra chez elle et dit. Moi de la côté qui a pas na yepé à l'obi. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Na pesiombo te yona lingolo monene pesa medie. Le Seigneur est avec toi. Kolo azali na yo. Je te salue. Na pesiombo te. Je te salue, Marie. Na pesiombo te, Maria. Les catholiques, ils traduisent ça comme ceci. Et je crois que c'est une grande vérité. L'ange a dit Maria lo sacco. Maria mbote. Et j'ai appris deux choses ici. Bongo na. C'est le frère Job, je ne sais pas où il est. C'est lui qui m'a dit ça. Le sako, c'est une salutation qui est donnée que par un plus petit à quelqu'un de plus grand. Ah. Le sako ezali moto e pesame na moto azali lenge n'est pas yo azali monene. Ce n'est pas celui qui est grand qui dit ça à celui qui est petit. Ezali te o azali mokele a pesa lenge yango. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ezali bongo te. Est-ce que c'est comme ça? Ezali bongo. Et aussi le sako boye disusu mbate yango, c'est quand on est en face de quelqu'un qui est très important. C'est pour ça que je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marie nous représente. Frère Bonhomme dit qu'il y avait trois femmes. Il y avait Agar. Il y avait Sarah. Et il y avait Marie. Important. Le pasteur m'a déplacé de l'Isala. Il est venu ici spécialement pour toi. Tu es important. Donnez-moi une amen vigoureux. Tu es important. Je vais m'arrêter ici. Vous voyez ce billet ici? C'est un billet de 5 000. Maintenant, si on prend ce billet. Pardon? Si on prend ce billet, on froisse ça. Et la valeur sera comment? Bon, l'itomba la mère aux Arandes, la valeur c'est quoi? L'itomba la mère aux Arandes, est-ce tout... que la valeur va changer? Eh, là, côté. Mais si on l'a froissé, attends, c'est pas Kangi en mode de Souko. Bon, on a froissé. Zingi en mode de. Ça reste. Ça reste toujours 5 000. C'est-à-dire que peu importe le problème que vous avez, peu importe que le diable peut vous faire, vous avez toujours de la valeur. Si je prends le billet
Il a quitté Paris pour venir ici. A tiki ngumba ya Europa pour ayawa. Centre médical, nous proposons plusieurs services en chirurgie. Nous avons un laboratoire, une maternité. Nous avons également des chambres d'hospitalisation pouvant accueillir 16 personnes. Nous avons la pédiatrie. Nous nous occupons des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. Nous disposons aussi d'une salle d'opération. Tels sont les services que nous avons jusque-là. Le centre de santé Fondation Amos ne reçoit pas que des orphelins. Les orphelins sont les ayants droit. S'il y en a un qui tombe malade, il fera ses examens, on lui prescrira les médicaments à prendre. Ensuite, il passera par la pharmacie. Nous en avons une qui est juste à côté de la rue, qui est ouverte à tout le monde. Il récupère ses médicaments et ensuite il poursuit son traitement. Nos portes sont aussi ouvertes à tout le monde. Toutes les personnes qui auront besoin de recevoir des soins de qualité dans de bonnes conditions, qu'elles n'hésitent pas à venir nous visiter. Le territoire de Kassangoulou a vibré ce week-end au rythme d'un carnaval de la Fondation Amos, annonçant l'inauguration d'un centre médical pour la prise en charge des orphelins dans ce territoire. La coupure du ruban symbolique a eu lieu ce samedi 11 mars à Kassangoulou, dans la province du Congo central, en présence des officiels et invités de marque venus pour la circonstance. Les orphelins de cette contrée peuvent désormais bénéficier des soins appropriés. C'est là, dans les bonnes conditions, grâce à ces centres médicaux. Une œuvre du pasteur Arthur Mosaka, président de cette fondation. Les coûts totaux de ce centre médical est estimé à 70 000 $. Sentiment de joie pour le pasteur Arthur Mosaka qui a trouvé de mots justes. Dans la foulée, il a remercié les créateurs pour la matérialisation de ces projets afin de faciliter la prise en charge médicale de cette catégorie d'enfants avec un personnel hautement qualifié. Un motif de joie pour ces 30 orphelins qui n'ont pas manqué de remercier les couples Mosaka pour l'amour manifesté à leur égard. Et les veuves et les personnes vulnérables comme vous le voulez. Et ça ne se limite pas seulement ici,
mais qu'il nécessite encore d'autres intimes sacrés. Pour nos frères, nos sœurs, orphelins, orphelines, oh nos veuves qui vivent partout dans le monde. Cette cérémonie est un motif de joie pour son initiateur. Redonner les sourires à cette catégorie d'enfants reste le leitmotiv de la Fondation Amos, car le bien-être universel, c'est vivre pour les autres.